Alors, une vidéo un petit peu particulière. Quand on débute sur Revit, comme sur tout logiciel, en règle générale, le plus compliqué, c'est de commencer un nouveau projet. C'est d'autant plus vrai dans Revit qu'il y a pas mal de pièges qui s'offrent à nous. C'est pour ça que je vais faire une vidéo qui vous montre pas à pas comment initialiser le projet, entre guillemets, comment insérer les fichiers architectes sur le projet. Et comment bien démarrer, insérer les niveaux et jusqu'aux premières lignes de repère. Alors, donc on va créer un nouveau projet. Alors, habituellement, on utilise un gabarit de construction. Enfin, chaque société a son gabarit de construction. Moi, là, pour l'occasion, je travaille sur une vieille version 2013, en évaluation d'ailleurs. Et donc, j'ai pas accès à mon gabarit de construction qui est en 2015. Donc, on va prendre le gabarit standard qui est fourni avec le logiciel. Alors, le temps que ça ouvre, je vous montre le projet que j'aimerais insérer. C'est donc celui-ci. Alors, je vous montre ce projet-là. C'est donc un bâtiment R plus 1, 5 avec habitation plus sous-sol. Parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal justement à l'insérer. J'avais plein de problèmes. Et c'est suite à ce projet-là que j'ai mis en place une méthode qui fonctionne à peu près à tous les coups pour ne pas avoir de problème. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est casse-tête. En règle générale, d'insérer des WWG qui peuvent être exportés de n'importe quel logiciel et avoir été fait, on ne sait pas avec quelle méthode. Donc des fois, ça pose des soucis. Bon, j'ai trouvé une petite méthode, une petite astuce qui permet de pallier ces problèmes. Alors l'idée au départ, ça va être donc d'insérer cette coupe bébé que j'ai trouvée. Donc la coupe bébé est passe dans le bâtiment ici en plein milieu. Hop, comme on peut voir. Et grâce à cette coupe bébé qu'on va insérer sur Revit en horizontal, en vertical, pardon, on va pouvoir insérer tous nos niveaux directement sur la vue. On sera sûr de ce qu'on va faire. Et puis à l'avenir, à la suite, cette coupe-là, comme toutes les autres coupes et toutes les élévations architectes, seront insérées sur le fichier et nous permettront de vérifier la cohérence des ouvertures de l'architecte. Donc on va retourner sur Revit pour insérer cette fameuse vue. Si je le trouve, voilà. Donc voilà, quand on ouvre Revit, hein, c'est toujours comme ça qu'on arrive, en tout cas sur le gabarit initial, avec nos quatre vues. Donc moi je vais ouvrir la vue sud, puisqu'on a vu que la coupe bébé elle est vers le haut. Donc il faut que j'insère sur ma vue sud. Alors la vue sud, bah, je peux double-cliquer pour l'ouvrir tout simplement. Donc ici je suis en sud. J'en profite pour supprimer tous les plans qu'il m'a créés à l'origine. Je vais tous les créer d'abord ici. Je vais juste garder le niveau 1 et le niveau 2 pour pouvoir me baser par rapport à quelque chose de connu. Voilà. Ici, on ne me sert pas. Les plans d'étage, je les supprime. Les plans de plafond, je les supprime. Tout ça, on n'a pas besoin parce que nous, on fera des vues en plan, bien sûr. Donc voilà, je me retrouve avec deux niveaux qui n'ont pas beaucoup de sens, là, pour l'instant. Je me rends compte qu'il y a 4000 mm d'écart, donc je suis en millimètres. Je vais passer en mètres, parce que je préfère travailler en mètres. Après, chacun travaille comme il veut. Voilà, c'est chose faite. Donc je vais insérer la vue bébé sur ce plan-là. Pour ce faire, donc, commande insérer. Il existe sur Revit deux manières d'insérer des fichiers, soit en les liant, un petit peu à la manière de référence externe sur AutoCAD, soit en les important. C'est-à-dire qu'on crée un objet composé de lignes. En fait, il va convertir le fichier en quelque sorte en un élément Revit. Si vous avez un architecte qui est censé vous renvoyer des plans avec des modifications, vous savez que ça va arriver. Que les plans vont changer souvent, mais que les plans sont très propres. Vous pouvez utiliser cette option-là, comme ça, automatiquement, toutes vos références se mettront à jour en fonction des nouvelles références architectes. Il suffira juste de modifier le fichier, le changer par le nouveau, et tout sera à jour dans Revit. Moi, je vais plutôt utiliser ça, parce que quand l'architecte ne veut pas nous envoyer des nouveaux plans, ça nous permet quand même plus de liberté sur les modifications du DWG en interne. Puisque comme c'est un objet Revit, je peux le modifier, on verra que ça a beaucoup d'avantages. Donc, je vais utiliser celle-là. Alors, je vais chercher mon fichier. Donc, coupe bébé. Alors, quand on insère une vue, quelque chose de très important, il faut savoir en quelle unité elle est dessinée. Alors, il propose une détection automatique qui ne marche pas vraiment, il faut l'avouer. Donc, pour ça, le plus simple, c'est d'aller directement mesurer sur le DWG. Alors, mesurer. Je vous conseille d'utiliser l'outil mesurer et non pas l'outil cotation. Le problème de l'outil cotation, comme on peut le voir ici, voilà,
c'est qu'on a des cotations souvent qui sont créées sur des styles de cotation créés par l'architecte lui-même, qui sont pas non plus forcément à l'échelle. Donc on peut prendre des cotes fausses avec ça. Alors qu'avec l'outil mesuré, on est sûr de ce qu'on fait. Donc je regarde par exemple cette cote-là, combien est-ce qu'elle fait en unité de dessin. Donc là, bon, 2,59, j'ai dû cliquer un petit peu à côté, mais donc on est bien en mètres, hein, 2,60. Donc notre plan est bien dessiné en mètres. Donc je lui précise ici en mètres. Je prends d'origine à origine. Le niveau peu importe, puisque de toute façon, nous on l'insère en vertical. Et je fais l'ouvrir. Certains des numériques vont être tronqués. Il me dit, alors ces fichiers AutoCAD sont très très grands. C'est ce qui va poser des gros problèmes, c'est qu'il y a plein de choses réparties dedans qui viennent interagir et qui viennent foutre un peu le bazar. Alors je fais un zoom tout, donc Z espace, un zoom tout, et je vois que tout, effectivement il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas sur le fichier, moi c'est simplement la petite vue qui est là, tout en bas. Alors il me l'a inséré je ne sais pas trop où, on a vu que mes niveaux étaient beaucoup plus hauts. Pour savoir exactement à quel niveau je suis, je mets tout simplement une cote de niveau, tout bêtement, sur le niveau 0 justement. Je vais le mettre là, je vois qu'il m'a mis à moins 275, donc ça veut dire que je suis 275 mètres trop bas. Je vais changer tout de suite la cote de niveau parce que son allure ne me plaît pas. Et on en aura besoin par la suite. Voilà. Donc je vais déverrouiller mon projet parce que quand il me l'a inséré, il me l'a bloqué. Donc je le déverrouille. Maintenant je peux le bouger librement. Et tout simplement, je vais le remonter de 275 mètres, 1,14, vers le haut. Pour le ramener à 0. Puisque ici, c'est bien le niveau 0 qu'on a mesuré. Donc je le remonte de 275,14. Un zoom tout, Z espace. Et normalement, mes niveaux devraient être calés sur mon import. C'est bien le cas. Niveau 2, niveau 1. En tout cas, c'est le niveau 1, bien sûr, qui est important là, parce que c'est le niveau 0. Alors, on voit que ça lag un petit peu, puisque le fichier est assez gros. Donc, je vais tout de suite tronquer ma vue et la borner à l'intervalle qui m'intéresse. C'est-à-dire uniquement autour de cette petite vue-là. Tous les autres éléments là qui m'embêtent. J'aurais pu aussi nettoyer le DWG. Ça aurait été la même chose. Ça aurait peut-être même été plus simple. Donc voilà. Voilà. Ce que je vais faire tout de suite dans modifier. On peut aussi faire VV hein, comme raccourci. Ça, c'est un bouton que sert tellement souvent. Le raccourci clavier, c'est VV, deux fois V. Je vais le mettre en demi-teinte. Voilà, pour voir ce que je fais. Alors, ce qu'on a fait, c'est pas mal. On a calé donc au niveau 0 le niveau 0. Mais on voit que le bâtiment a aussi une cote NGF, hein, comme tous les bâtiments, et qu'il est à 36,36. Alors, pour bien illustrer ce que ça, je vais créer deux types d'élévation de niveau, qui vous serviront toutes les deux d'ailleurs, tout au long du projet. Donc une relative et une NGF. Et après on va déplacer le projet pour le mettre en NGF. Alors donc ma cote de niveau, je vais la renommer celle-ci et je vais l'appeler niveau relatif. Ok, donc on est bien sûr à un niveau relatif. Je vais cocher la petite case plus, parce que c'est bien quand il y a plus devant. Comme on peut le voir, l'architecte l'a mis aussi, hein, plus 0, plus de 87. On met souvent, voilà. Ça, c'est mon niveau relatif. J'ai créé une famille niveau relatif. Et je vais créer une famille NGF. Donc, je vais dupliquer niveau relatif et l'appeler niveau NGF. Alors, je crée une nouvelle famille. Je la copie l'ancienne et j'en crée une nouvelle. Donc, elle va être tout pareil, sauf qu'il n'y aura pas le plus devant. Qu'on va pas être sur le point de base du projet, mais qu'on va être sur le point topographique. Et en suffix, pour bien les différencier, je vais mettre NGF dessus. Voilà, comme ça c'est des paramétrages de famille à voir. Voilà, automatiquement il m'a remis la NGF. Donc moi je vais remettre un niveau relatif, oui voilà, ça c'est bon. Voilà, donc on a une cote NGF et une cote relative. Donc là toutes les deux au même niveau, puisque mon bâtiment est encore au 0
Il suppose que le niveau relatif est à 0 NGF. Pour déplacer mon bâtiment, c'est assez simple. Je vais dans Gérer, le petit icône position du projet ici, et je vais venir replacer le projet. Et donc je vais le remonter de 36,36 pour qu'il soit bien à la bonne altitude. Voilà, un zoom tout, Z espace. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai bien mes niveaux NGF qui sont à niveau NGF et mes niveaux relatifs qui sont à niveau relatif. Maintenant, à chaque fois que je créerai un niveau, j'aurai le choix de le faire en niveau relatif ou en niveau NGF. Voilà. Ce niveau-là également, d'ailleurs, quand on le remarque, c'est une famille qui s'appelle niveau 0.8 mm par défaut ici dans ce gabarit de construction. On peut tout à fait passer toute la famille en point topographique et quelqu'un aura des niveaux NGF à la place des niveaux relatifs. C'est tout à fait possible. Je laisse un niveau relatif pour l'instant. Maintenant que ça c'est fait, je vais caler mes niveaux. Alors il y a deux écoles pour caler les niveaux. On pourra soit les caler par rapport au niveau fini, soit au niveau brut. Habituellement, moi je me fixe sur le niveau brut, quitte à décaler mes niveaux si les revêtements de sol, les épaisseurs de revêtements de sol changent. Mais là pour l'exemple, je vais mettre sur le niveau fini. C'est une façon de faire qui marche bien aussi. Il faut juste décaler les dalles après en dessous. Donc je vois que mon niveau 2, alors là je vais renommer mes niveaux parce que là c'est pas le niveau 1 mais c'est bien le rez-de-chaussée. Je vais mettre 0,0 devant pour qu'il se range bien. 0,0 rez-de-chaussée et donc là 0,1-R+1. Voilà. Donc moi R+1, on voit qu'il doit être à 2,87 en relatif. Donc il suffit juste de rentrer ici, 2,87, voilà, mon niveau est placé impeccablement. Je vais créer de nouveaux niveaux au-dessus, donc j'ai 5 niveaux plus un niveau d'accroteur à créer, et également un niveau de sous-sol. Alors, pour ce faire, je pourrais tout à fait faire comme habituellement, dans structure, niveau, et dessiner mon niveau. Pour une petite astuce plus simple, vous maintenez la touche CTRL, et voilà, ça vous copie un élément, que ce soit un niveau ou autre chose. Là, ça m'a créé ce niveau-là. Et je sais que le niveau R+2, il m'a automatiquement mis le bon nom, à part le petit numéro devant à changer, mais sinon, il s'est pas trop mal débrouillé. Et le niveau, je vois qu'il est à 5,74. Et je continue comme ça à créer tous mes niveaux jusqu'en haut. Alors, je me suis trompé. Voilà. Le R+3. À 8,61 et ainsi de suite. Je ne peux pas tous les créer, mais normalement il faudra tous les créer si on faisait bien le projet. Je vais quand même créer le sous-sol. À moins 3 mètres. Donc voilà, donc dans l'idéal, il faudra créer tous les niveaux également dans le niveau supérieur. Alors j'ai créé ça, j'ai créé tous mes niveaux. Maintenant, dessus, je vais pouvoir insérer mes plans AutoCAD. Et alors voilà donc ma petite astuce pour les insérer. Enfin, je vais paramétrer mes niveaux, chose que j'ai pas faite, et je vais dessiner mes vues aussi, chose que j'ai pas faite non plus. Là, j'ai bien créé mes niveaux, mais je ne leur ai pas associé de vue encore. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vue qui passe dessus. Donc je vais créer des vues avant ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas non pas le plan d'étage ou le plan de faux plafond comme il y avait tout à l'heure, mais des vues en plan, puisqu'elles nous permettent de faire des vues en plancher haut, ce qui évidemment en structure est indispensable. Donc, je vais créer ma vue en plan, je vais en créer une pour l'instant le rez-de-chaussée. Donc voilà, vue en plan, ça m'a bien créé le rez-de-chaussée ici. Et on voit que sur mon élévation, le petit rond ici passe en bleu pour me signaler qu'il existe désormais un plan rattaché à ce niveau. Donc il m'a créé mon rez-de-chaussée. Je vais déjà modifier ma famille générale de vues en plan pour qu'elle regarde vers le haut, pour faire des vues de plancher haut qui nous intéressent. Et je modifie ma plage de vue. Alors, qu'est-ce que c'est que la plage de vue? Ça va être à quel endroit je vais voir les niveaux. On l'avait déjà vu. Donc, par rapport à mon plan de coupe, je vais couper à 1 mètre au-dessus du rez-de-chaussée et jusqu'au niveau supérieur. Où je vais couper, donc ça va être le R+1, mettons à 0,2 pour qu'on puisse voir au moins les impacts de l'étage supérieur. Pareil pour la profondeur de vue, ça
n'a pas beaucoup d'influence pour nous. On met toujours la même chose là et là quand on ne sait pas. Ok, donc mon rez-de-chaussée est bien créé. Je vais créer quelque chose que j'ai oublié de faire aussi. Tant que j'y pense dans la vue sud, voilà. C'est de définir quel niveau est au-dessus lequel. C'est-à-dire que là, l'étage qui est au-dessus, le S-1, c'est bien le rez-de-chaussée. L'étage qui est au-dessus, le rez-de-chaussée, c'est bien le R+1. Ça lui indique simplement dans quel ordre consécutif sont les étages, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir créer toutes mes autres vues. Vue en plan. Je sélectionne tout avec Maj. Voilà, donc toutes mes vues sont créées. Donc je vais pouvoir sur mon rez-de-chaussée maintenant insérer ma vue architecte. Donc ma petite astuce pour ça, je m'étais embêté donc à l'époque à supprimer tout ce qui était autour, à prendre les bons calques, à tout nettoyer pour que tout soit impeccable, mais rien n'y faisait, j'ai jamais réussi à insérer ce fichier-là architecte, pour une raison qui m'est inconnue encore aujourd'hui. Alors depuis, j'utilise une nouvelle technique, c'est de prendre tout ce qui m'intéresse, en partant bien de la gauche vers la droite, pour sélectionner uniquement ce qui est à l'intérieur du cadre. Quand c'est bleu, ça prend ce qui est à l'intérieur. Quand c'est vert, ça prend tout ce que ça touche. Donc voilà, je le copie. La CTRL-C. Je crée un nouveau fichier. Je le colle n'importe où au départ. Voilà, c'est les fameux blocs qui sont dedans, peu importe. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir un fichier propre pour pouvoir travailler. Alors par contre, le problème, c'est qu'il faut que je fasse ça à chaque niveau, et quand je vais les insérer, je vais devoir les recaler un par un sur E8, ce qui va être un peu fastidieux. Alors le plus simple, c'est de prendre directement le repère SCU, AutoCAD, et le déplacer à un point fixe commun à tous les étages. Alors pour ça, souvent, on prend les cages d'ascenseur, parce qu'on est sûr qu'elles vont à tous les étages, et qu'elles seront théoriquement alignées, sinon ça va poser des problèmes à l'ascenseur, donc c'est assez fiable. Donc je prends un angle de l'ascenseur, et sur chacun de mes plans, que je ferai de cette façon-là, un copier-coller, là, j'insérerai le niveau à ce niveau-là, comme ça, ils seront tous forcément alignés. J'en insérerai un sur le rez-de-chaussée, l'autre sur le R+1, ainsi de suite, ils seront tous parfaitement alignés par rapport à ce point-là. Une fois que c'est fait, ça, je l'enregistre. Je peux purger, d'ailleurs, avant. On va faire un petit coup de purge. UR, le raccourci. Purger tous les éléments, ça allègera un petit peu le fichier. Voilà. Je peux aussi éventuellement déshabiller... Le projet ici, ou on le fera dans E8, peu importe. Moi, je vais le faire dans E8 pour vous montrer. Donc, j'enregistre. J'ai pour habitude, moi, de mettre SLS devant mes fichiers quand ils sont modifiés. Évidemment, c'est pas du tout mieux. Voilà. C'est enregistré. Je vais pouvoir l'insérer ici. Je l'insère de la même façon. Je vais opter pour l'import et non pas la liaison. Je laisse par date, c'est le dernier en date, bien sûr. C'est bien en mètres. Je prends bien origine à origine, ou centre au centre, c'est pareil de toute façon pour celui-là. Je le mets bien sur mon rez-de-chaussée puisque c'est le rez-de-chaussée, et je l'ouvre. Alors il me dit que c'est pas visible, ce qui est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais remettre sur ma vue de sud, mon élévation sud. Et donc là, je vais désactiver ma coupe bébé pour pas la voir, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'il m'a créé quelque chose. C'est donc effectivement ma vue en plan qui m'a créé, bien entendu, elle est perpendiculaire. Là, ça fait... On dirait que c'est juste une ligne, mais c'est parce que tout le plan est perpendiculaire à cette vue-là. On voit qu'il est confondu avec mon niveau rez-de-chaussée. Ce qui est logique, puisque je l'ai inséré au niveau rez-de-chaussée avec un décalage de 0. Si je l'insère sur le R+1, hop, il va me déplacer sur R+1, toujours avec un décalage de 0. Moi, c'est bien le rez-de-chaussée, voilà. Cette petite manipulation est intéressante parce que, par exemple, pour le rez-de-chaussée, on va mettre le plan pour faire les voiles du rez-de-chaussée au niveau du rez-de-chaussée, mais pour faire le plancher haut du rez-de-chaussée, il nous faudra par contre le R+1. Donc on pourra comme ça se balader avec les plans qu'on aura insérés et les mettre là où ça nous intéresse. Et donc le problème, c'est que mon rez-de-chaussée, si vous vous souvenez bien, il va voir sa visibilité, ça va être 1 mètre, à peu près à 1 mètre au-dessus, jusqu'à 0,2 mètre au-dessus du niveau supérieur pour voir les impacts. Donc ma visibilité du rez-de-chaussée va de là à là. La visibilité du R+1 ira de là à là. Alors c'est pour ça qu'il faut que je remonte ce plan-là pour qu'il soit dans le plan visible. Donc on va mettre à 1,10 m pour être sûr de le voir. C'est une petite gymnastique à faire, mais il faut bien vérifier que les plans soient dans les
dans les cadres de vue. C'est souvent que ce n'est pas le cas au début, donc on ne comprend pas pourquoi on ne voit pas les plans qu'on insère, mais c'est souvent si simple que ça. Faire une petite analyse, bien regarder la plage de vue qu'on a définie et voir où se trouve notre plan. Voilà, et maintenant donc dans le rez-de-chaussée, si je ne me suis pas trompé. Voilà, alors surtout ne pas oublier, ça c'est aussi quelque chose qui arrive couramment comme oubli, même moi aujourd'hui je me fais souvent avoir, c'est de décocher dans cette vue-là les vues qui ne servent à rien. La coupe bébé n'a rien à faire dans cette vue-là. Et si je ne la décoche pas, je fais un zoom tout, je ne vais pas savoir où je suis. Et il va rien se passer. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai la coupe bébé, souvenez-vous, qui est énorme, qui est dans un coin, qui est très 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 étendue, et qui vient m'embêter. Donc toujours activer uniquement ce qu'on a besoin, jamais plus dans les vues. Donc je désactive ma coupe bébé qui sert à rien ici. Voilà. Et si je fais mon zoom tout, je vais me retrouver avec mon plan. Donc comme on peut le voir, mon plan est excentré par rapport à mes élévations. Alors ce n'est pas le plan que je bouge, mais bien les élévations, puisque mon plan, on l'a calé par rapport à, souvenez-vous, on avait mis notre petit SCU au niveau de la cale d'ascenseur. Par contre, ce que je vais faire, qui est important, je vais verrouiller mon plan pour être sûr qu'il ne bouge plus. Tout à l'heure, je n'avais pas verrouillé d'ailleurs la coupe bébé, mais ce n'était pas forcément essentiel puisque de toute façon elle est mal placée de base. Elle est bien placée en NGF, mais elle est mal placée en X et Y. Pour la placer plus tard, il faudra commencer à avoir modélisé le bâtiment et venir la recaler avec les ouvertures par exemple. La même façon qu'on fera d'ailleurs pour les élévations, des choses comme ça. Donc voilà, je vais. L'avantage de n'avoir pas fait une liaison mais bien une importation, c'est que je vais pouvoir avoir accès à un outil ici qui s'appelle Requête, qui est très pratique pour déshabiller les plans. Donc je sélectionne ma référence, je fais une requête, je sélectionne un élément, par exemple un arbre, il m'affiche toutes les informations sur le calque AutoCAD d'origine, il me permet de le masquer. Vous voyez, ça me permet de déshabiller mes plans assez rapidement, avec tout ce qui ne m'intéresse pas. J'ai enlevé les huisseries, théoriquement il aurait fallu les laisser d'ailleurs, puisque comme c'est du béton armé, sur les plans il faudra afficher bien sûr le sens d'ouverture des huisseries pour pas qu'ils se trompent pour poser les pour les poser. Bon, je déshabille rapidement, hein, je ne vais pas faire le tour non. Le tout, voilà, ça allège beaucoup le dessin, c'est quand même très intéressant. Alors si toutefois un jour j'ai besoin de réactiver quelque chose, il suffit de revenir dans ce menu-là, donc VV, dans catégorie apportée, SLS, voilà, et si théoriquement tout ce que j'ai enlevé, c'est décoché. En fait, ça revient à faire ça, hein. C'est un petit raccourci pour venir décocher les choses qui m'intéressent. Donc il suffit de les recocher, ça apparaîtra. Donc voilà, j'ai bien inséré mon plan. Il suffit maintenant de faire ça pour chaque étage, puisque là je fais pour le rez-de-chaussée, il faudra faire pour tous les étages. Et ensuite, on pourra tout simplement commencer à modéliser le bâtiment sereinement. Alors, encore quelques petites choses intéressantes à faire avant de commencer, enfin, avant de continuer. On voit que là, le bâtiment est tout en vertical. On aimerait plutôt l'avoir en horizontal pour le mettre sur un plan, puisque les plans sont toujours horizontaux, jamais verticaux. Alors, il y a un moyen de tourner tout le projet d'un coup. C'est un petit peu pareil que tout à l'heure quand on a déplacé le niveau NGF. Ça va être dans Gérer, Position, orienter le projet vers le nord. Et là, je vais donc le tourner des 90 degrés anti-horaire. Et donc, ça prend un petit peu de temps, mais il va tourner tout le projet. Et ce sera beaucoup plus simple pour travailler, puisque je serai directement dans le sens de lecture du plan. Et donc, c'est bien d'avoir cette analyse avant, en amont, plutôt que de tout côté et de tout mettre, et que vous allez vraiment se rendre compte que. C'est pas dans le sens qu'on voulait. Ça demande un petit peu de travail d'adaptation après. Donc, penser au résultat final du plan, c'est déjà prendre un petit peu d'avance. Voilà, donc il me dit que tout s'est bien passé, il a déplacé 147 éléments. Je fais un zoom tout. Voilà, donc tout s'est bien tourné. Alors, je n'avais pas déplacé mes petites vues, je vais le faire là. Elles vont quand même être utiles pour continuer. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qu'elle donne, à mon avis. Alors, on ne voit pas dedans nos niveaux. Pourquoi? Maintenant, dans la vue de sud. Alors, déjà, on est très très excentré par rapport à la vue d'une part. De seconde part, en fait, ça, ce sont des plans, les niveaux. Ce sont des plans entiers. Ça rame un petit peu.
Allez, un petit peu, voilà. Alors, ce qu'il faut faire, il suffit d'en sélectionner, clic droit, sélectionner toutes les occurrences dans la visible, voilà, ça sélectionne tous les niveaux. Alors, j'ai encore un petit peu le graphique, parce que c'est pas la bonne option, voilà, propager les étendues. Ben non, c'est déjà propagé. Bon, écoutez, tant mieux. Donc, ça, c'est bon, impeccable. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben là, vous me prenez, dès que vous aurez inséré toutes les vues, vous pourrez commencer à travailler. Donc VV, je peux par contre passer effectivement pour que la vue architecte me dérange moins quand je vais travailler donc en demi-teinte, qui va creuser un petit peu la vue. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir commencer donc à récupérer par exemple les axes. Structure, je vais commencer à faire mon quadrillage. Un peu de graphique. Voilà, donc je commence par en tracer un. Alors là, on est sur du ABCD, donc je change le premier seulement. Puis les suivants vont automatiquement se mettre à jour. Voilà, B, C, D, et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir vraiment commencer à modéliser mon bâtiment. Donc ce sont des phases qui... Bon, là, quand on suit la vidéo, ça peut ne pas paraître si compliqué que ça, mais en fait, c'est vraiment prise de tête. C'est vraiment quelque chose à s'arracher les cheveux sur tout nouveau projet. Parce que chaque plan architecte est différent, il a été exporté sur un logiciel qui travaille différemment, qui pense différemment. Et des fois, on en arrive à des situations où tout simplement, on s'en sort pas. On n'arrive pas à insérer les fichiers, on y passe des heures, voire des jours, des fois. Tellement c'est compliqué. Cette méthode-là, juste d'isoler ce qui nous intéresse sur un plan architecte, plutôt que de le nettoyer, de le vider, d'isoler ce qui nous intéresse et de le copier sur un tout nouveau fichier, tout neuf, dont on connaît bien tout ce qui est à l'intérieur, ça peut être super intéressant et nous faire gagner beaucoup de temps.